Il est déjà 7h dans tout studio télévision nationale d'Haïti, Delma 33. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec aujourd'hui, jeudi 17 mai, pour nous capables de porter pour tout élément d'information. Déjà, nous souhaitons passer un très bon jeudi sous TNH. Rapidement, mes grands points qui ont dominé l'actualité, le ministère Affaires sociales et Travail, dans la tête collée avec le ministère intérieur et collectivité territoriale et puis délégation départementale Ouest, relancé hier mercredi 16 mai un programme Corepep pour capable porter assistance à Mouna qui vivent dans une situation économique difficile. Des restaurants communautaires qui déjà l'ouvre dans le département Ouest là dans le cadre du programme SILA. Jeudi 17 mai, c'est journée mondiale hypertension artérielle. Dans l'occasion, Fondation Haïtienne Diabète et Maladie Cardiovasculaire Fadimaka a organisé une série d'activités pendant la journée qui a déroulé sous thème chercher connaître tension. Et puis, population qui vivent dans Canaran sur route pour capable d'avoir accès à l'eau potable. Mairie Kouadebouke Global Communities à Croix-Rouge américaine lancé hier mercredi un projet pour capable bay système l'eau potable à population qui a vivent dans zone Sila. Et puis à l'étranger, gros pression sous dos Donald Trump puisque commission sénatoriale qui renseignement qui a travaillé sous question qui t'a fait comprendre la Russie t'a gagné ingérence li fait dans dernière élection yo rete croire que la Russie lui-même a été influencé campagne électorale yo en faveur Donald Trump. C'est point ça yo à quelque n'a porté pour dans journal là s'il vous plaît pas déplacer restez branché n'a pas petit pause n'a pas tourner tout à l'heure. Merci pour fidélité et attention nous retourner pour développement information yo. Distribution appareil pour capable mettre courant la caille mon en cas vivre dans zone qui pire qu'il est dans pays d'Haïti continuer à faire route ligne. Dans le cadre du programme, c'est là, président républicain Jovenel Moïse a mis en campé, gagné 500 familles dans la localité Pascatabois, 8e section communale à Bédé Moustique, commune Jérabella, qui bénéficie appareil ça pendant le week-end passé pour capable mettre en lumière la caillou. À nous suivre un reportage. C'est notre objectif, égalité sociale là, côté tout le monde doit bénéficier même service. Président République là, Jovenel Moïse a mis sous pied programme ça pour permettre même famille qui pas espérer en poule le mais la caillou, même gens à tout le monde qui vivent dans grand ville yo. Bénéficiaires yo remercier chef l'État pour engagement ça qui fait yo sentir yo dans société ya. Yo expliquer la décision autorité yo qu'on apprend en temps passé yo, même leur grand ville yo te kon fin bénéficier, c'est avec difficulté pour yon ti reste rivé joine yo. Accompagnement ça prouvé yo participer dans toute décision équipe en place là apprend pour améliorer condition vie population haïtienne nan. Moun sa yo ki passe pi fò vi yo nan fè noir, remercier président Jovenel Moïse ki bay petit yo possibilité étudier nan lumière, kap encourager yo pi plus toujours nan éducation y a bay ti moun yo. Président Jovenel, moi félicite pour bel travail ça y fait, nous dit merci, nous rendez année prochaine encore la pi plus toujours. Remercie l'état fait ma vie bien à soi parce qu'il voye lumière pour moi, pour moi. On t'a dominé fè noir. Qu'on y a et dans on va y dormir, remercie l'État. On pas avant le premier commencement, on ne va pas dire aucune activité qui a marché. C'est pendant le mouvement Jovenel, là, c'est ça, nous-mêmes, nous venons de nos améliorations. C'est peut-être ça, moi, je me suis en pile parce que je me dis que j'ai en pile l'avenir, nous avons en Jovenel parce que c'est mon nom d'Ouest lié. C'est un gros pas, président de la République l'a fait, l'a permis en poule l'humain, car ici, là, il n'y a pas espéré ça. Député Jean-Rabel l'a fait connaître, un système éclairage ça, pour augmenter l'imagination moun sa yo et puis permettre de prendre décision pour changer condition y a vivre. Parlementaire a profité à attirer attention autorité concernées yo sous mauvais état route qui menait dans l'autre commune en dans département. Journée jodi am capable bravo pour programme ça. Programme kay pa m'kreye parce que m'te besoin paysan li sorti dans disparité ça côté ce ti moun la ville seulement qui gen droit à éclairage. Si moun section communale pa doit éclairage journée jodi a gouvernement Moïse Lafontaine font gros point lorsque il fait eh bien moun section communale là eh bien li gen droit à éclairage tout. Décision pour bay moun ka vive dans section communale yo courant fait partie troisième axe programme énergétique administration président Jovenel Moïse là.
Directeur général Agence nationale pour sécurité énergétique là, Evenson Calixte, expliquer kit individuel ça, c'est pour permettre moun k'ap viv nan zon ki pa dispose infrastructure courant bénéficier courant la kayo. Li annoncé pays a disposé 10 réseaux pour bay courant, pi gwa c'est Port-au-Prince qui gagne 400 MW. DG annoncé a dit gen appel d'offres qui déjà lancé pour investisseurs qui intéressés dans domaine nan k'ap vin investi. Pays a divisé en 10 réseaux qui nan région yo, pi gwa et c'est Port-au-Prince qui gagne une demande de 400 MW. Moi-même, en fait, Autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie, qui c'est Habit Secteur, qui c'est Autorité de régulation, Balantino annoncé, fait lancer un appel à manifestation d'intérêt. Côté nous inviter tout le monde qui est intéressé à venir investir dans le secteur énergie. Et nous avons fait ça. Nous avons fait gagner et pour être capable d'investir dans la production, être capable d'investir dans la distribution. Nous avons investi dans la consommation. Énergie, c'est un point fort de développement durable du pays. D'après le directeur général ANACEA, permettre courant arriver à Kaimoun qui vivent dans la section communale, c'est une possibilité pour participer dans les efforts qu'a fait pour renforcer l'économie du pays. Merci Anne-Marguerite Auguste. Ministre Affaires sociales et travail, ministre Affaires sociales et travail, Stéphanie Auguste, lancé hier mercredi 16 mai une consultation interministérielle pour élaboration d'une politique nationale en protection et promotion sociale. Activité sa fête en présence en représentant différents ministères et entités qui fait partie tabac sectoriel pour promotion sociale tant que ministère affaires sociales et travailleurs, ministère intérieur et collectivité territoriale, ministère économie et finance, ministère planification et coopération externe, ministère éducation nationale, ministère santé publique, ministère justice et bureau secrétaire d'état pour intégration monde handicapé. En nous suivant compte rendu avec Rachel Sefort, Henri Robert Chéri. Consulter différents ministères qui impliquent dans la protection et promotion sociale pour élaborer un document politique nationale protection et promotion sociale qui permet l'État de bien accompagner la population, permettre citoyens autonomes répondre à la responsabilité. C'est le principal objectif. Journée consultation, ça, ministre Affaires sociales et travail lancé jeudi. Activité ça, c'est l'occasion pour représentants divers ministères concernés réagir sous vision, principe directeur et orientation. À partir d'un premier document, plusieurs cadres dans divers ministères produits sous protection et promotion sociale dans le pays. Cette démarche d'élaborer une politique de protection et de promotion sociale trouve son sens et sa direction en droite ligne des engagements pris par l'administration Moïse Lafontaine de faire d'Haïti un pays émergent d'ici 2030. En effet, nous souhaitons au prime abord que cette politique puisse poser les jalons d'une visée globale et à long terme de la protection et la promotion sociale dans le pays, cadrant et assurant par là une obligation durable de l'État à servir et protéger socialement ses citoyens, conformément à la Constitution et aux objectifs définis par le plan stratégique de développement d'Haïti. La transparence, la participation et l'inclusion, voilà en bout de ligne les valeurs que défend ce processus ambitieux dans ses tenants et aboutissants. Et c'est la raison pour laquelle les ministères concernés par la thématique en cours doivent dire leur mot sur la vision, les principes directeurs et les orientations qu'ils voudraient voir figurer dans la présente politique de protection et de promotion sociale. Représentant plusieurs autres entités qui membres table sectorielle protection sociale là, tant que ministère justice et sécurité publique, ministère santé publique et population et secrétaire d'État pour intégration mon handicapé, expliquer à papier démarche ça qui visait définir mécanisme qui permet l'État accompagner population, assurer moun qui nan pauvreté extrême jeune assistance jusqu'à ce qu'il arrive productif et puis faire face à responsabilité yo envers famille yo. Journée consultation interministérielle ça,
c'est la première étape dans une démarche consultation différents ministères concernés pour rédiger un document sur l'orientation du gouvernement dans la protection et la promotion sociale cap gain pour soumettre dans le Conseil des ministres pour validation dans le mois qui vient là, selon les responsables. Ministère Affaires sociales et travail a organisé hier mercredi 16 mai un rencontre avec plus de 200 directeurs et directrices à l'école professionnelle. Chita Palissa déroulé sous mise en place avec nouveaux outils ministère s'il apprend pour capable accompagner l'école à Sayo. Dans le cadre d'activité ça, directeur main-d'œuvre dans le ministère social et travail, Jean-Gérard Pierre, fait connaître nouvelles outils ça yo prennent l'idée pour renforcer capacité formateur et puis permettre jeunes professionnels de répondre à exigences. Directeur Inakla Mourant Michel apprécie ces nouvelles initiatives ça, côté li croit qui prend la permettre à formateur yo et jeunes professionnels yo rivé fait travail yo puis bien. En nous souvient extrait dans micro d'Alain Dorivala avec Moïse Oubridge. Nous prenons deux mesures tout qui ont rapport avec nouvelles mesures qui gagnent sous qui Jean ministère l'an doit accompagner superviser centre gagne de nouveaux outils qui développés pour permettre que centre de formation au ministère l'an mieux accompagner. Nous garder tout par rapport à ça aspect qui gagne rapport avec formation formateur tout. Parce que de fait, un centre de formation pas capable en formation de qualité si personnel enseignant que li gagne pas performant, pas gagne compétences que li doit gagner, pas gagne capacité pédagogique que li doit gagner pour que li baye formation. Nous les écoles professionnelles n'a formé des cadres et des jeunes et on dit que si nous former jeunes n'a bien, c'est pays à nous faire bien et si nous former mal tout, c'est toute une république, c'est tout on dit c'est tout ensemble de tous les pays du monde que nous fait mal et que nous même les directeurs d'école nous prêts pour former jeunes yo, mais nous besoin des mesures d'accompagnement auprès du ministère des Affaires sociales pour au moins nous capable au moins quand dit encadrer jeunes en plus pour nous capable encadrer jeunes en mieux pour au moins que Haïti ait une satisfaction au niveau des cadres professionnels. Nous avons dit que nous avons grand titre, ministère des Affaires sociales et travail, la tête collée avec le ministère intérieur et collectivité territoriale, et puis délégation départementale ouest sans relancer. Hier mercredi 16 mai, programme CORIPEP. Programme ça rentre dans le cadre du projet administration Moïse là, à gouvernement Lafontaine qui vise porter assistance à Mouna qui vivent dans une situation économique difficile. Dans le pays d'Haïti. À nous suivre. Il y a plusieurs dizaines de responsables restaurants communautaires qui étaient présents dans la délégation départementale à l'Ouest pour recevoir provisions alimentaires, tant que du riz, pois, l'huile et l'autre ingrédient qui permettent aux restaurants communautaires de fonctionner. Le ministre des Affaires sociales, Stéphanie Auguste, expliquait qu'il y a 100 restaurants communautaires qui l'ouvrent dans le département de l'Ouest sur 775 qui ont gagné pour fonctionner dans tout le pays. Pendant, le ministre l'a demandé pour tout secteur pour te coller dans l'avancement du programme. Ça. Vous connaissez que le restaurant communautaire, c'est une sorte d'assistance que nous portons à la population dans différentes zones. Et Jean-Président Jovenel Moïse Mandela, c'est à travers tous 10 départements yo, pour nous ouvrir au total 775 restaurants communautaires. Nous relancer li parce que c'est une nécessité, c'est une urgence liée, mais d'arrêter li clair pour nous connaître que mode de fonctionnement qui était gagné avant, c'est un bagage qui vient faire que budget a trop lourd pour gouvernement. Ça veut dire restaurant yo actuellement nous chita avec prestataire yo pour connaître modalité de fonctionnement pour li ka alléger charge que gouvernement gagne pour porter comme assistance, c'est en participation communautaire. Jean Barayan dit là son restaurant communautaire, ça veut dire communauté en côté restaurant rien, faut que porter apport par yo, faut que porter participation par yo, faut que porter encouragement par yo tout qui pour à la longue ça nous ta remet faire modèle que nous ta remet que restaurant vini à la fin pour les vin autosuffisance. Directeur général font assistance économique et sociale là, Chantelier Charles Ernest promettent les pral mettre direction régionale institution ça opérationnel une manière pour permettre supervision régulière faite dans restaurant communautaire pour évaluer qualité et condition moun yo manger. Chaque restaurant yo y a gagné yo pas carte devant rapide identifié avec un logo donc pas gen moun k'ap ka di ou pa restaurant yo. Et puis nous l'autre bagage qui est important nous pral faire tout nous pral faire suivi et évaluation
restaurant. Parce que suivi à ces yon, mais évaluer restaurant qui s'alpote en plus dans la zone, son l'autre bagaille. C'est une raison qui fait que les travailleurs sociaux qui sont dans le ministère des Affaires sociales, ils vont appuyer d'eux. Dans le niveau FAYES, nous avons des directions qui sont là pour ça. Nous allons mettre des directions nous appuyer d'eux tout, pour être capable de faire analyse, pour être capable de voir qui impacte le restaurant sur la vie population. Bon côté PAL, ministre intérieur collectivité territoriale, Jean-Marie Ronaldo Brunet, quoi est important pour magistrats, Kazek et Kazek, qui collaborer avec les délégués pour faciliter le service social et arriver plus près la population. Dans ce cas-là, bien spécifique, côté n'a pas eu de restaurant communautaire, tout le monde qui fait partie de la chaîne, côté que un paquet de monde qui a besoin, vraiment qui a nécessité, qui est-ce qui connaît la réalité ça, n'a pas parlé de délégué, vice-délégué, magistrat, kazek, azek. Donc dans ce sens, nous-mêmes avons fait une meilleure coordination entre l'équipe ça pour voir si effectivement, côté restaurant placé, côté restaurant y est, si c'est là le mérité pour lier. De façon à ce que les gens qui ont nécessité vraiment bénéficier de restaurant. Programme ça a rentré dans quatre visions administration Moïse et gouvernement La Fontaine gagné pour améliorer les conditions de la vie de la population. Notez les tout dans grand titre mairie quoi des bouquets dans tête collée AK Global Communities Croix Rouge Américaine UCLBP avec Dinepa posé hier mercredi en premier wash construction un réservoir d'eau dans canal 5 et mettre en place un système d'eau potable pour capable bay tout monde dans population canaran d'eau potable travail ça qui déjà commencé jeune support l'agent Croix Rouge Américaine. Reportage Richardson Jourdan et Michel Joseph. Projet ça a gagné comme objectif améliorer l'accès au service approvisionnement de l'eau potable et assainissement dans le canal. Dans ce sens, le responsable a posé premier roche construction réservoir qui vise produire et puis distribuer une quantité de l'eau à travers un système d'alimentation y a bien pour installer en faveur de la zone. Projet réseau d'eau potable, ça, c'est dans même. Quand ça, nous venons ici pour nous faire une pause pierre, première pierre et un projet. Mais dans notre objectif, nous avons gagné dans quatre programmes. Nous disons peuple canarin. Ça c'est un petit bagage. Dans ça, nous avons promis. Nous connaissons l'école communale, mais nous commençons dans la route là. C'est direction nationale de potable d'Inepa. À Global Community qui là pour contrôler travail dans quatre projets création système addiction de l'eau potable et assainissement dans canal. Directeur général d'Inepa Guito Edouard et représentant Global Community Michelet Maxime salue projet ça qui va aider dans amélioration moun zone là dans affaire de l'eau potable. C'est le premier pas qui décide la marche. Eh bien on a fait ensemble au nom du gouvernement, Jacques Guy Lafontaine et son Excellence Jovenel Moïse comme président de la République. Donc on va faire d'autres pas pour faire en sorte que l'accès à l'eau potable au niveau de la population de Canaan eh bien, augmente de période en période. Le projet a plusieurs activités là-dedans. La première activité qui a été lancée, c'est une grande étude qui a été lancée sur Canaran, qui te permet que nous, avec Dinepa, identifier qui côté de l'eau disponible pour de l'eau qui arrive à Canaran. C'est ça qui fait que nous allons construire un forage étant cyber sur route E9 là. Et puis, le projet a tout lié à la construction d'un réseau de conduite qui est environ 7500 mètres linéaires de tuyaux. Et puis, nous avons construit un réservoir. On a dit un premier réservoir qui a une capacité de 500 mètres cubes d'eau. Représentant Croix Rouge américaine en Haïti, Chantal Sylvie Imbol, quoi, projet ça a une pile importance pour mon cap vivre dans le canal. Ce projet qui porte une importance vraiment capitale pour la zone, compte tenu que jusqu'à présent il n'y a pas de source d'eau. Donc ce projet
La Croix-Rouge haïtienne et la Croix-Rouge américaine, on y tient beaucoup. Et je voulais remercier sincèrement la DINEPA pour toute cette collaboration qu'on a eue pour faire le suivi des approbations, de donner des approbations pour les designs du projet. Et puis, on espère que très bientôt, il y aura donc accès à de l'eau potable pour une bonne partie de la population. Projet ça a duré 5 mois grâce à financement Croix-Rouge américaine pour un valeur 1 million de dollars américains. Fondation haïtienne diabète et maladie cardiovasculaire FADIMAC a organisé jeudi une série d'activités pour marquer journée mondiale maladie hypertension artérielle. Parmi activités ça yo a gagné test mon capable faire gratis chéri rassemblement pour capable faire sensibilisation. Responsable a organisé journée si là sous thème chercher connaît tension. On nous souvient un reportage avec Falanda Delphin et puis Moïse Rubich. Bon marée ta dément, tièse silencieux, c'est différents noms qui utilisent pour décrire hypertension artérielle qui c'est première cause pathologie, insuffisance rénale, éclampsie, accident cérébrovasculaire. D'après plusieurs rapports mondiaux, majorité moun qui souffre maladie si la, pas de jambes au courant à cause de pas de gain aucun symptôme. Symptômes sa yo qui ka varier selon anatomie patient, vini soit après consommation en pile sel, ak manque consommation fruits ak légumes, d'après Dr. Roger Jean-Charles, président Centre Haïtien Hypertension. La meilleure façon pour un monde bien connaître pour pas souffrir tension, c'est depuis un monde passé l'âge de 18 ans. C'est aller chez le docteur, faire prendre attention. Parce que autrement, c'est malheur pendier. Surtout pour Haïtiens. Parce que Haïtiens ont tendance normale pour faire attention. Pour qui ça? C'est parce que les Haïtiens, c'est nègre. Et maladie tension, on vient de plus qu'il nègre, d'origine africaine. Et parce que Haïtiens mangent trop de sel. Haïtiens mangent 30 jusqu'à 35 grammes de sel dans la diète. Donc, avec c'est ça que fait, Haïtien a tendance pour le faire attention. Et puis, non seulement ça, manger trop de sel, il ne pas manger suffisamment de légumes avec fruits, parce que pas même manger de légumes avec fruits, parce que les légumes avec fruits, eux-mêmes, ils ont les légumes verts, les tuches, choux, cochons, comme ça, et eux-mêmes, ils ont potassium là-dedans. Alors, potassium, non, c'est une substance naturelle, normale, qui a tendance pour faire attention à baisser. Tandis que, et celle-là même que vous venez par exemple dans Cubio en pile et que mon utilisé pour faire manger. Alors vous même vous avez en pile sodium là-dedans. Alors c'est sodium là qui fait attention à monter. Directrice exécutive FADIMAC, la docteur Nancy Charles-Loco, invite tout le monde à passer consulter dans n'importe clinique pour faire l'hypertension artérielle. Li dit qu'il marche côte à côte avec maladie cœur, stroke, obésité et diabète. Nous allons organiser demain 17 mai une journée de 8h du matin à 2h de l'après-midi côté n'importe qui monde capable venir contrôler tension gratis. Et ça est extrêmement important parce que en pile dans nous ne doit pas connaître que nous hypertendu. Donc depuis que nous gain moi même j'ai dit 30 ans mais docteur Jean-Charles parlait de 18 ans. Donc depuis que nous gain 18 ans, nous gain intérêt passer contrôler tension si nous pas ca briver côté ça yo pour aller dans centre côté bon côté nous. Journée mondiale hypertension est célébrée pour première fois dans l'année 2005 pour communiquer mode prévention et traitement maladie ça. Dans l'année 2025, chercheurs prévoient 1,056,000,000 de monde à priver atteindre maladie hypertension artérielle. Étude FADIMAC a démontré que le pays d'Haïti a 2 millions de monde qui touchent à la maladie si là. Pour marquer fête Saint-Yves qui c'est patron avocat yo samedi 19 mai cap vini là barreau l'ordre avocat Port-au-Prince a lancé une série activité qui a déroulé sorti 16 pour bouton 19 mai. Parmi activité ça yo a gagné une conférence scientifique qui a déroulé en baptême l'impact de la qualité des décisions de justice sur l'investissement. Pendant 3 jours sa yo, autorité nan appareil judiciaire a bien pour capable faire débat sur pi bon gouvernance système judiciaire pour permettre gain plus investissement par bon ici. C'est quoi Paki Akremi Godji a présenté nos reportages. Faciliter plus investissement local ak étranger dans pays, accompagner entreprises privées dans quatre procédures judiciaires et puis renforcer la justice pour un pi bon climat d'affaires. Ces différents thèmes qu'a bien pour discuter pendant 3 jours dans la Cour cassation
sur initiative Barreau Lord Avocat Port-au-Prince en collaboration avec différents Barreau Lord qui sortit dans Caroline du Nord pays États-Unis avec Paris dans pays la France selon explication bâtonnier Lord Avocat Port-au-Prince M. Stanley Gaston. Les festivités de la CETIV se déroulent sur quatre niveaux avec des conférences, la finale du concours de plaidoyer, un procès civil, la soirée de gala et la messe traditionnelle. Pour nous, avocats, c'est un moment important de confraternité et d'échange. Pour la corporation, c'est un moment de signifier à tous notre attachement aux valeurs et à notre mission sociale de contribuer au développement économique en œuvrant pour un environnement des affaires sécurisées. Ministre de Justice et Sécurité publique là, M. Jean-Roudy Ali, fait connaître l'administration Maurice et le gouvernement Lafontaine prend engagement pour accompagner les investisseurs pour le développement du pays. Pour sécuriser les entreprises et protéger les investissements, les acteurs judiciaires ont pour devoir d'œuvrer dans le sens d'une justice de qualité. Dans un effort concerté des juges, des officiers du parquet, des notaires, des inventeurs, des greffiers, des huissiers, en passant par les avocats, le défi sera relevé. La bonne gouvernance judiciaire exige la contribution de tous, chacun à son niveau et en ce qui concerne. La mise à jour du savoir juridique, le souci du travail bien fait, l'utilisation des nouvelles technologies, la gestion efficace des dossiers conduisent à coup sûr à moins de défaillance et de dysfonctionnement. Président CSPJA, Jules Cantave, a annoncé gagner un effort qu'a fait pour continuer à renforcer la justice, ça qui permet aux investisseurs de gagner plus confiance dans l'appareil judiciaire. Dans ma qualité de magistrat, je crois fermement dès que les différents acteurs jouent leur partition respective avec science et conscience. Ça doit être, à n'en pas douter, des prémices au développement du secteur privé, à l'attraction de l'investissement national et étranger, à l'intégration plus accélérée du pays dans l'économie mondiale et, in fine, à l'amorce de développement durable. Barolot avocat Port-au-Prince, termine activité SAYO pour marquer fête Saint-Yves-là, qui est patron avocat yo, 19 mai, cap venir là. Et nous faisons un chapitre local à nous pour aller à l'étranger, puis près la caille nous dans le pays États-Unis, puisque membre commission sénatoriale renseignement, y aurait été quoi t'a gagné et gérant ça pays là où ici, dans la campagne électorale, dernière élection américaine, en faveur actuelle président américain Donald Trump. Si enquête là, t'a révélé vrai, t'a gagné et gérant ça pays là où ici, dans l'élection ça y est, Congrès a capable d'entamer un processus de destitution Donald Trump. Euronews pour plus de détails. La commission sénatoriale du renseignement enfonce le clou aux États-Unis. Elle a poursuivi ses auditions en convoquant l'ancien directeur du renseignement national James Clapper, l'ancien directeur de la CIA John Brennan et l'ancien directeur de la NSA Mike Rogers. Pour cette commission sénatoriale, les conclusions sont sans appel. Elle est persuadée que la Russie est intervenue dans la campagne de l'élection présidentielle en favorisant la candidature de Donald Trump. Au cours des auditions publiques que nous avons eues, la communauté du renseignement a été ferme et unanime dans ses conclusions, en estimant que les Russes avaient joué un rôle en essayant d'interférer non seulement dans notre élection présidentielle de 2016, mais aussi dans les élections britanniques, françaises et allemandes. Les Russes sont massivement intervenus dans l'élection dans le but d'aider M. Trump et de nuire à Hillary Clinton. Ils ont aussi eu recours aux réseaux sociaux d'une manière qu'ils n'avaient pas connue de précédent. De nouvelles déclarations à charge dans cette affaire de collusion alors que le procureur spécial Robert Mueller, nommé il y a un an, poursuit lui aussi ses investigations. Tout comme la commission sénatoriale, il doit rédiger un rapport. Il reviendra ensuite au Congrès de décider ou non d'entamer une procédure de destitution contre Donald Trump.
n'a toujours été l'autre bord de l'eau, Union européenne à bataille pour les capables, ouais, qui j'en les capables de sauver l'accord nucléaire sur l'Iran après Donald Trump a fini retiré l'école dans l'accord Silla. Yon sommet a déroulé sous question Silla dans la ville Sofia, mais cependant, il y a 27 pays qui déjà prennent engagement pour toujours retenir l'accord Silla. Euronews, pour plus de détails. L'ouverture du sommet européen des Balkans à Sofia a été phagocytée par le dossier Trump, l'Iran et les tarifs douaniers. Les 27, en l'absence du dirigeant espagnol qui ne reconnaît pas le Kosovo, ont répété qu'ils allaient rester dans l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, même s'il n'est pas parfait, tout en conduisant des négociations avec l'Iran sur d'autres sujets, comme les missiles balistiques. La veille, le président du Conseil européen avait eu des mots très durs pour la présidence américaine. Au regard des dernières décisions du président Trump, on pourrait se demander, avec des amis comme ça, qui a besoin d'ennemis. Les relations transatlantiques, ou plutôt, pour citer Donald Tusk, l'attitude capricieuse de Donald Trump occupe donc pour l'instant toute la place à Sofia. C'était une déclaration tout à fait délibérée. Donald Tusk traite l'affaire de manière très personnelle. Il a grandi en voulant faire partie de l'Occident. Donc ce fossé actuel entre les États-Unis et l'Europe, il le ressent de manière très, très personnelle. Ce qu'il a voulu la nuit dernière, c'est que les dirigeants discutent de Trump lors du dîner de travail de ce sommet. Et c'est ce qui a été fait. Il n'y a pas eu de discussion sur l'innovation numérique comme c'était prévu. Il a été question de rester unis sur l'Iran. Il a été question de s'en tenir aux mesures de rétorsion s'agissant des tarifs douaniers de Trump sur l'acier. On peut dire que Donald Tusk est parvenu à ses fins hier soir. Ce sommet est avant tout destiné à renforcer les liens de l'Union européenne avec les Balkans, mais cela sans parler d'adhésion, plutôt de renforcement des investissements, sachant que 73% des investissements étrangers directs dans la région viennent de l'Union européenne. Elle est déjà 7h30, l'arrivée est le moment pour nous aller. Avant notre travail, permettre que nous rappelions encore une fois un grand point qui domine l'actualité. Ministère Affaires Sociales a travaillé en tête collée avec ministère intérieur à collectivité territoriale et puis délégation départementale ouest relancé hier mercredi 16 mai un programme qui porte nom Corepep dans l'idée pour capable porter assistance bay moun ka viv dans situation économique difficile. Gagné 100 restaurants communautaires qui déjà relouvri dans département l'ouest pays dans cadre programme cela. Jeudi 17 mai, c'est journée mondiale hypertension artérielle. Dans l'occasion, il y a une fondation haïtienne à diabète et maladie cardiovasculaire qui est pour ses gars Fadimaka a organisé une série d'activités pendant toute journée ça qui a déroulé en baptême chercher connaître tension. Population qui vivent dans la zone Canaran sous route pour capable gain accès à un site de l'eau potable. Mairie Croix-des-Bouquets, dans tête collée à Claude Partner, lieu global la communities, Croix-Rouge américaine, UCLBP, puis Dinepa, lancé hier mercredi un projet pour capable établir un système de l'eau potable pour capable alimenter les gens qui vivent dans la Canaran, permettre qu'ils aient accès à de l'eau potable. Et puis à l'étranger, gros pression sous dos Donald Trump dans le cadre d'enquête sur ingérence pays la Russie dans la dernière élection américaine. Commission sénatoriale renseignement après poursuivre enquête li côté li déjà attendu ancien directeur renseignement national, ancien directeur CIA et ancien directeur NSA. Nous te content ensemble avec vous pour être capable d'informer vous. Merci à vous-même qui t'avez regardé nous sur télévision ou bien vous-même qui t'avez suivi sur internet à travers téléphone ou bien ordinateur. Nous souhaitons passer un très bon week-end sur chaîne État. Nous avons cassé rendez-vous lundi matin pour le journal matin. Bon week-end tout le monde.